Big Flo et Oli ne semblent pas dans les petits papiers de Vianney. Coach dans l'émission The Voice, le chanteur et les frères ont collaboré sur un nouveau titre. Une collaboration qui n'a pas laissé de bons souvenirs à l'artiste. Les frères toulousains ont très mal pris les propos de Vianney. Invité à discuter de ses collaborations artistiques dans RTL Bonsoir. Le 25 septembre dernier, Vianney avait évoqué son duo avec Big Flo et Oli de manière pas très flatteuse. Un duo qui figure sur son nouvel album à 2 à 3 à paraître le mois prochain. Un souvenir qui n'était pas forcément très agréable pour le chanteur qui a raconté que leur travail avait été long et très compliqué. Ed Sheeran, c'était évident, Zazie, c'était évident, Big Flo et Oli, par exemple, ce n'était pas évident du tout, on s'est vraiment pris la tête, on a cherché, c'était compliqué, c'était plus dur, avait-il ainsi confié à propos du processus d'écriture de leur morceau Il faudrait. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas quand si est plus dur, non. Il faut rien lâcher et même si c'est compliqué, il faut tenir bon et trouver la bonne idée, avait ajouté le mari de Catherine Robert. Des propos qui n'ont pas forcément plu aux deux frères qui ont tenu à réagir via une interview réalisée avec Mohamed Bouafsi sur l'émission Focus Dimanche de RTL. Indiquant qu'il avait grave exagéré, les interprètes du titre « Ça va beaucoup trop vite » ont indiqué, avec Valde sur notre album, « On a fait trois morceaux avant de trouver le bon. » Et lui, j'ai vu qu'il a fait, Big Flo et Oli, c'était un peu les plus chiants. Et Vianney, je te réponds en direct sur RTL, non ça allait, on est allé vite. Cela a duré une après-midi, tout compris. Si est-ce à dire qu'on est arrivé, on n'avait rien. À la fin, on avait le morceau fini. Si est-ce ça compliqué, si est-ce juste qu'à un moment donné, j'ai dit je n'aime pas trop cette piste, viens on recommence un truc. Non, ce n'était pas si compliqué que ça. L'un des chanteurs a même ajouté un peu agacé, il est fou ce mec. Un peu énervés, ils ont également raconté avoir envoyé un message au chanteur après avoir écouté son interview. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais quoi est-ce ce que t'es allé rajouter ? A ainsi confié le duo français de rap, originaire de Toulouse. Vianney et Big Flo et Oli se connaissent particulièrement bien puisqu'ils ont participé ensemble à la dernière saison de The Voice, en tant que coach. Ils rempliront d'ailleurs tous les trois pour la prochaine saison, la 13e, qui marquera le grand retour de Mika. Zazie sera également présente. I just need